Ok, yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un custom. Je pense que vous l'aurez remarqué. C'est un remake de Grousten House. Une map de World War 2. World War 2 zombies. On va voir ce que ça va donner. Si elle est bien reproduite ou pas. Pour l'instant, niveau esthétique, c'est plutôt pas mal. Ok, il y a la Wunderfist 2.0. On a des atouts. Eh, franchement, c'est pas mal hein, pour l'instant. C'est vraiment pas mal. Well, looks like we are here, in the house. No, not the house, but the house. This is just a little pit stop before we get back to the matters at hand. I know what you're thinking. This place looks familiar. I know, but trust me, it's not from that other place. That's in a completely different dimension altogether. Anyway, I'll leave you guys to crack on with things, and then we can get back to business. Je m'attendais pas forcément à avoir une voix d'un coup là. Et il a refait la voix de World War 2 et tout, mais c'est ultra cool. Bien évidemment, nous avons les armes bien de BO3. C'est ultra stylé. Donc on va tester cette Wunderfist aussi. Et on peut acheter de l'armure aussi. Tiens, je vais acheter de l'armure. Waouh, c'est stylé. C'est stylé as fuck. Y'a rien à dire. Donc si vous ne connaissez pas cette map, qui est issue de World War 2, donc le dernier jeu de Treyarch au niveau Call of Duty, c'est une map qui est de base dans le... Dans le prologue, ou je sais pas trop comment on appelle ça. Genre, un sorte de petit guide zombie. Et ce map est débloquable quand t'as fini l'easter egg de la map principale. Donc quand t'as fini cette map, le secret de la map, bah tu débloques cette map entre guillemets défi. Par contre j'ai vraiment un problème avec cette arme. Des fois elle tire pas. Donc c'est pratique mais pas trop quoi. J'aurais pas dû prendre ça. Allez, Wunderfist. Jug. C'est ultra stylé. Par contre, du coup, on a de l'armure. Et on a Masto. Donc comment ça marche? Ah, j'ai pas... D'accord, Masto marche pas. Ok, très bien. Alors, Masto marche pas, l'armure ne marche pas. En tout cas, j'ai pas l'impression. Et il faut absolument revive du coup si Masto fonctionne pas. C'est quoi ça? Ah, il se splat. Oh, c'est quoi? Si en plus il a mis des perks custom, cette map est super stylée. Et oui, il y a des perks custom. J'ai oublié que j'avais ça. Ah ok. Si j'écris en majuscule, ça va pas marcher. Par contre, du coup, le bouclier il marche. Mais pas Masto. Ok, c'est bon à savoir. Il a importé quelques armes de World War 2. Mais pas toutes.
J'ai l'impression que les imports, ils ont des problèmes. Celle-là, non, j'ai pas l'impression. Mais certains ont des problèmes. En tout cas, pour l'instant, c'est ultra convaincant. Le fait qu'il ait pas enlevé Masto de la Wonder Fist, c'est un peu bizarre. Mais bon. Il n'y a pas double coup. Non, il n'y a pas double coup. Ah si, double coup est là. Ok. Faut voir si... si limite d'atout aussi. Et dans la map, il y a un piège de présent hein, quand même. Ça, c'est bien aussi. Ça y est pas dans la map originale. Mais le fait qu'il l'ait mis, c'est cool. De toute façon, vu les zombies... Wow, stylé. Ouais, de toute façon, vu les zombies qu'il y a sur PO3, sans piège, ça aurait été impossible à force. Ça aurait été vraiment impossible. Je veux bien que ce soit une mob difficile, mais quand même. Ah bah tiens, un cadeau. Ah il a mis les boss de Gordo Crovi. Il a dû pas réussir à importer le... Le boss de World War 2, ce qui est compréhensible, je sais même pas si c'est possible de l'importer. Mais il me rush. Je sais plus comment il fonctionne en fait. Dégage. Bref, je savais plus comment il fonctionnait. On va voir s'il y a une limite d'atout ou pas. Allez, je crois en toi. Windows Vine, c'est de la merde. Mais bon, sur cette map, ça peut toujours servir, mais bon, je suis un peu triste de l'avoir pris, du coup. D'accord. Il est même pas mort, le zombie. Bon, par contre, y a pas grand-chose à faire sur la map, du coup. Je pense qu'on va s'arrêter là, où je vais... Je sais pas... Je peux toujours tenter, genre, de faire tourner les ombres là. Genre ici. Toujours être un défi, genre sans dépasser les limites de la pièce. On va se tenter ça. Et si je réussis pas, bah, je porterai la faute sur le fait que ça fait pas longtemps que je suis sur PC. Ah, on me dit dans l'oreillette que cette excuse n'est pas valide. Dommage. On voit rien par contre, c'est chiant. Bon bah ça a été simple en fait. J'aurais dû me taire. Ah ! En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle va pas être longue. Mais en tout cas c'était une bonne petite map, bien réalisée en tout cas. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao !